Bonjour Phnom Penh, aujourd'hui ce midi je m'arrête au marché Kandal pour aller tester un bon riu. Donc bon riu c'est un plat donc d'origine du Vietnam. Je vous montre à quoi ressemble un peu l'endroit, l'édifice, c'est assez sympa, il y a pas mal de monde, donc ça doit être une bonne adresse. Donc il est midi et demi. Vous voyez le restaurant est blindé. Donc, restaurant blindé généralement, bonne adresse. Donc il y a un va-et-vient assez impressionnant de gens. Donc, tout le monde a l'air de se régaler en tout cas. Les condiments sont déjà sur la table, une espèce de pâte de praok, une sauce au tamarin, des piments, sucre et sel. Donc le bon riu vient d'arriver, ça a l'air assez sympa. Donc, un peu de pâté, un peu de viande, ce que vous voyez sur le dessus, donc c'est de la fleur de banane découpée avec du basilic. Donc je vais attaquer tout ça. Donc les nouilles de riz, vous avez un peu de viande. Vous avez une espèce de pâté qui a l'air assez sympa aussi. On le sent coaguler, là je suis un peu moins fan. Un peu de tofu. Les herbes qui vont bien. Voilà, bon appétit. Bouillon, je dirais un peu basique. Donc on va mettre un petit peu de sauce au tamarin. Moi j'en mets 2-3 louches, c'est bon quand même. Facile, c'est du tamarin, ça ne doit pas faire de mal. Voilà, donc j'entame cette petite chose. En général, les plats vietnamiens, vous ne pouvez jamais être déçu. Hein. C'est plutôt sympa. Eh bien voilà, mission terminée, assiette terminée. C'était donc bien bon. Et ce bon riu est à 10 000 riels, donc 10 000 riels, 2,50 $. Donc si vous passez au Psar Kandal, au marché Kandal, donc au centre du marché, vous ne pouvez pas rater un Bunka Bun Riu, c'est le seul petit restaurant qui est blindé de monde en général. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !